Bonjour à tous, bienvenue sur le 25e épisode du podcast Pelote et Repelote, qui comme son nom l'indique à peu près, est un podcast consacré au tricot. J'espère que vous allez tous bien, ça fait un petit bout de temps que je ne vous l'avais pas demandé. J'espère que l'été s'est bien passé, la rentrée également. On est rentré tout doucement dans l'automne. On est reparti dans le tricot. Je vous propose de commencer assez rapidement parce que je me suis certes ralentie un petit peu au printemps et début d'été, mais j'ai quand même pas mal tricoté depuis, il me semble que la dernière fois c'était en avril. Donc oui, je vous propose de démarrer sans plus tarder. Alors, on va commencer par les donc, projets terminés. Oh bah ça y est, je sais plus comment on fait. Et les plus petits et les plus rapides à raconter, ce sont des paires de chaussettes. Donc là, je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé, si elles étaient en route, pas en route. Il me semble que oui, mais peu importe, on va dire. Donc j'ai fait une paire de chaussettes pour un ami en laine Volbeut qualité Isar. Donc c'est de la laine auto-rayante que j'avais acheté en pack de 4 pelotes de 100 grammes. J'en ai déjà utilisé la moitié. C'est donc des chaussettes pour hommes. Donc je suis partie sur la base d'un montage de 14 mailles avec des augmentations jusqu'à... quand je dis 14 mailles, c'est 14 mailles par face. Puisque je tricote en Magic Loop. Des augmentations jusqu'à 36 mailles par face, donc 72 en tout. Un Fischlitz Kiss Heel. Une tige presque aussi longue que la longueur du pied. Des côtes 1-1. Et un rabat à l'élastique qui suit la forme des côtes et qui donne une petite impression de rabat tubulaire. J'ai utilisé pour la première fois des aiguilles, des Knit Pro Carbons en 2,5 mm. Alors le câble est super, la partie carbone est chouette, par contre le raccord entre le câble et les aiguilles est abominable. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tout ou juste un défaut de fabrication sur les miennes. Je les réutiliserai pas. Ou alors il faudrait que je prenne le temps de les poncer un petit peu au papier de verre pour voir si ça marche. Mais c'était un moment où j'avais 4 ou 5 paires de chaussettes en cours. Donc du coup c'était les seules disponibles. Je les ai utilisées jusqu'au bout mais j'ai pas trop aimé ça. Alors je passe directement du coup à la deuxième paire de chaussettes qui était pour mon amoureux cette fois-ci, donc toujours en Volbeut, cette fois-ci qualité Nanga Parbat, qui fait des rayures mais aussi des petits speckles et un pseudo jacquard, donc tricoté exactement sur le même modèle que les autres, à une pointure d'écart je crois. Ensuite, la troisième paire de chaussettes, celle-ci, elle était pour moi. Donc il s'agit des Speckled Space Socks de Amanda Stephens, qui est un modèle gratuit sur Ravelry, mais en anglais par contre. Après, si vous savez faire des chaussettes et que vous savez lire une grille, et rien de compliqué. Ça se présente en deux tailles. Pour 36 mailles par face et pour 32 mailles par face. Pour moi c'est 32 mailles par face. J'ai utilisé des aiguilles en 2,25 mm, des Xiaogu Lace que j'ai acheté à Clamarfield et qui sont super, très très agréables. Alors par contre, comme j'ai l'habitude de tricoter sur des aiguilles en bois, et là comme c'est du métal, les mailles glissent davantage et donc du coup je serre encore plus. Donc mes chaussettes sont un poil serrées,
Disons qu'il faut que je les enfile en plusieurs petits à-coups pour réussir à passer mon talon. Alors c'est peut-être dû aussi au modèle vu qu'il y a des torsades et un point texturé avec des mailles qu'on rabat par-dessus d'autres. Donc je pense que oui, ça, la texture resserre aussi un petit peu la maille. Mais je pense que les aiguilles y sont aussi pour quelque chose. Je l'ai tricoté en laine très lisse, sa base chaussette. Je vais vous dire le nom exactement. Donc c'est la base Arès, 75% Mérino Superwash et 25% Nylon. C'est un métrage assez fin, enfin du coup puisqu'il pour 100 grammes on a 425 mètres. Et donc c'est une base blanc cassé avec pas mal de vert pâle. Et puis un peu de bleu, un petit peu d'orange jaune. C'est le coloris Margarita, pardon. Si je le dis, ça va mieux. Que j'ai acheté aussi à Clamartfil. Je l'ai fait rentrer dans le cale du semainier de la chaussette, organisé par Blissful, dans le jour du mardi, sur le thème des torsades, donc. Je les ai mises là juste la semaine dernière pour la première fois, puisque je les ai terminées, il faisait déjà pas mal chaud. J'ai pas mal de restes et comme la laine est très douce, je commence à essayer de faire des petits regroupements de restes pour voir ce que je pourrais faire avec ça dans la catégorie châle ou pull. Mais ça va être dans longtemps, je pense. Alors ensuite, on passe à des projets un peu plus gros, puisque j'ai fait une couverture en cadeau de naissance pour une amie chère. Alors celle-ci, je l'ai faite en crochet. J'avais essayé de faire la baby star afghan, je ne sais jamais comment on dit, afghan, afghane. Enfin bon, ça veut dire couverture, hein, globalement, je crois, en anglais. Il y a un petit bout de temps, mais je m'étais emmêlé les pinceaux, mais j'avais pas complètement abandonné le projet. Et quand j'ai vu les couvertures que Happy Sweet Peach Factory avait faites pour des naissances au tout début du printemps ou à la fin de l'hiver, je ne sais plus, ça m'a vraiment donné envie de faire ça pour un bébé qui était bien au chaud encore à l'époque, il n'était pas né. Donc j'ai pris de la laine, enfin de la laine, de la drops mérino coton, donc un mélange de coton et de laine mérino que j'avais déjà utilisé pour faire une couverture de naissance ou sur laquelle j'ai eu des très très bons retours. On m'a dit que voilà que ça tenait super bien, aussi bien en termes de couleur que de confort, de résistance tout simplement. Et donc du coup, je me suis assez naturellement réorientée vers cette laine-là, enfin cette laine, ce fil-là. Que dire? J'ai utilisé un crochet 5,5 mm. Le patron est gratuit également et en anglais sur Ravelry. Alors moi, je ne sais pas bien lire les diagrammes de crochet, mais on est redirigé vers un blog et là on a les explications écrites, le diagramme et une vidéo explicative. En anglais le tout, mais bon la vidéo il suffit de regarder et puis de mettre en pause, de revenir en arrière dès qu'on n'a pas compris ou qu'on veut revoir et puis à la limite on s'en fiche un petit peu de ce qu'il nous raconte. Voilà, j'ai utilisé 10 pelotes. Alors, j'ai utiliser du gris alors du gris 1 2 3 4 presque 5 pelotes de gris pâle 1 3 jaunes et une et demie en bleu marine. Voilà, j'ai vraiment copié sur Amélie. Puisque j'aimais vraiment beaucoup les couleurs qu'elle avait choisies. Donc pourquoi vouloir être absolument original quand on aime quelque chose?
Du coup, il rentre dans le cale culture de pelote pour sur le thème les champs de coton et dans le cale l'année de la blanquette de Mélise, la boutiqueuse. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Je l'ai faite assez vite. J'ai trouvé ça très long sur la fin. Mais donc du coup, bah, j'ai mis vraiment un gros coup de turbo pour m'en débarrasser. Et il est arrivé, enfin je l'ai terminé et je l'ai envoyé. Et il est arrivé quelques jours avant la naissance. Donc ça tombait parfaitement bien. Et je voudrais vous parler d'une deuxième couverture. Il s'agit de la Brick Street de Steven West, qui était aussi dans le cale de l'année de la blanquette, que donc j'ai démarré début janvier. Et puis là, fin août, j'en avais marre de voir ce projet se languir. Donc en plus, j'y avais pas touché depuis un bon bout de temps. Et donc c'est pareil, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai terminé. Donc c'est un patron payant sur Ravelry en anglais. Après, c'est pareil, hein, si on sait lire un diagramme, il n'y a pas vraiment besoin de savoir lire en anglais. Je l'ai réalisé en hand de drops. Donc c'est du gros fil qui perd tous ses poils. Donc j'avais toujours les genoux recouverts de poils à chaque fois que je l'ai tricoté. Je l'ai tricoté avec des aiguilles de 1 cm, c'est énorme. Et du coup, ouais, c'est un peu pesant pour les bras. Du coup, oui, le thème du culture de pelote, c'est on sort les pieux. C'était plus qu'approprié. Et j'avais un peu peur de mon choix de couleur. Je me disais que c'était un peu. Ouais. J'y croyais pas des masses. Et puis en fait, à la lumière naturelle, j'adore. J'adore les couleurs. Vraiment, l'assortiment est superbe. Et ouais, je suis super contente. Alors je la trouve peut-être encore un petit poil petite. J'ai fait une modification malgré moi. J'ai rajouté un ou deux motifs, je ne sais plus. Me souviens plus. Un, il me semble. Un motif au centre. Et donc du coup, j'ai dû me racheter une pelote de violet. Parce que bah, forcément, avec un motif supplémentaire, il n'y avait plus assez de fil. Et j'ai dû me racheter aussi une pelote pour faire la bordure, puisque pareil, avec ce motif supplémentaire, ça agrandit la bordure aussi. Et donc du coup, j'ai utilisé 7 pelotes de violet et 4 pelotes de vert bleuté. Je peux peut-être même vous dire les numéros de coloris. Je les ai rentrés, je les ai écrits dans mon bullet journal il n'y a pas longtemps. Donc la laine violette c'est la référence 40-90 et la verte c'est 72-30, 72-30, oui, mon 2 ressemble à un 1. Apprenez à bien écrire, ça peut vous servir. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette couverture. Je vais probablement faire une pause de couverture pour un petit temps là. Et en même temps, il y a des naissances qui arrivent, donc il va peut-être falloir s'y remettre de nouveau. Et c'est vrai que c'est quand même un chouette cadeau, je trouve, pour une naissance, surtout pour les gens qui ne tricotent pas. Alors ensuite, dans les autres projets terminés, il y a maintenant les plus grosses, enfin grosses pas forcément, mais les pièces en 3 dimensions. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4. 5, ouais, 5 vêtements et un châle. C'est parti. Alors le tout premier, c'est le pull Archer de Elizabeth Doherty. C'est un patron payant sur Ravelry et en anglais. Alors celui-là, je vous en ai déjà parlé, je me souviens très bien, puisqu'il était en cours dans les derniers épisodes, le ou les derniers, je ne sais plus. C'est un pull que j'avais démarré vraiment à l'arrache, puisque je voulais absolument participer au cal ICO organisé par Eve de Bobine et Pelote. J'adore les rayures, j'adore les marinières. Et du coup,
même si c'était pas du tout dans ce que j'avais prévu de faire, j'ai un peu repoussé à plus tard mes projets pour glisser une marinière à ce moment-là. Alors par contre, j'avais aucune idée du patron, enfin, si le Archer, il m'avait tapé dans l'œil pas très longtemps avant, donc il n'était pas bien oublié, mais j'avais aucune idée de quelle laine je pouvais utiliser. Donc j'ai pris toutes les pelotes solitaires et puis je les ai mises ensemble. Et finalement c'est l'amoureux qui a fait l'assemblage de la By Night colorée au nerprin. C'est sa base. Ah zut. Hop, on ressort le bullet journal. C'est sa base. Twinkle, 70% Merino Superwash, 20% nylon et 10% Stellina Bronze. Et j'aime beaucoup le Stellina Bronze. Je trouve que ça donne ouais, un très bel effet sur ce jaune, que je trouve un peu trop clair pour moi. Je préfère les jaunes ocre. J'ai pas l'habitude des jaunes vifs. Et du coup, donc ça j'en avais deux écheveaux et j'avais un écheveau de purple laine coloris Dew. Et là pour le coup c'est de la single. Donc 100 grammes pour 366 mètres. Ouais, voilà. Et donc Dew, ouais, c'est... Moi je le voyais comme un gris un peu taupe et oui c'est à peu près ça. Il est à la fois gris, à la fois rose pâle, rose poudré, avec des reflets bruns. Et vraiment ouais des fois il a un peu une couleur de champignon. Ouais. Enfin voilà, c'est indéfinissable comme couleur. Et j'aime beaucoup. Et ouais. C'est bien dommage que Marilyn ait arrêté ses laines parce que vraiment ce coloris, je crois que j'aurais pu m'en faire un pull entier. Ouais, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Bref. Voilà, donc la laine, c'est tout bon, c'est tout doux. Je l'ai pas mal portée au printemps, donc je peux dire que la laine n'a pas bougé. Que je la supporte très bien les deux. Je les supporte très bien sur la peau nue puisque j'avais juste un petit débardeur en dessous. Je l'ai aussi fait rentrer dans le cal culture de pelote dans la catégorie cale toi dans le canap. Je l'ai tricoté en aiguille 3 mm 75 comme préconisé par le patron. Alors ensuite, la construction en elle-même. Je l'ai trouvée à la fois alambiquée et à la fois super intéressante. En fait, il y a eu plein de moments où j'ai pas compris. Mais ouf, en fait, c'était pas grave. Il suffisait vraiment de faire rigoureusement ce qui était écrit et ça marche. Donc, je pense que c'est un patron qui, du coup, est très bien fait. Juste inhabituel par rapport à ce que moi, j'avais pu faire auparavant. Est-ce que j'ai fait des modifications ? J'arrive plus très bien à me souvenir. Je crois que j'ai fait les manches encore un petit poil à ma sauce. J'ai dû monter davantage de mailles, comme d'habitude, pour être sûre de passer mes bras musclés. Et en bas, j'ai fait une légère forme liquette avec quelques rangs raccourcis, mais vraiment, j'ai dû faire quoi ? 6 ou 8 rangs raccourcis. Pour former un très léger arrondi en bas du dos uniquement. J'ai pas fait devant, je l'ai fait droit. Je voulais juste oui, quelque chose d'un tout petit peu plus long et pas tout droit derrière. Il me semble que c'est la seule modification que j'ai faite. J'ai évidemment pris aucune note et puis je l'ai un peu terminé en avril donc je me souviens plus exactement. Mais ouais, j'en suis super contente pour un truc qui n'était pas du tout dans ma zone de confort. En fait, je le porte énormément. J'ai plusieurs jupes gris, des gris indéfinissables aussi, qui ont des nuances de vert dedans. Et donc du coup, avec le jaune, ça passe super bien.
Donc ouais, j'en suis super contente. J'ai peut-être un tout petit poil serré mon encolure. Et du coup, l'arche de... Je suis en train de faire un geste, mais vous ne voyez pas. l'arche qu'on a devant est très très... remonte très haut chez moi. Alors que sur les autres versions que j'ai pu voir sur Ravelry, l'arche est moins arquée. Et un poil plus basse, mais je pense que c'est parce que j'ai trop serré mon encolure. En même temps, les petits diamètres, je gère pas très bien. Enfin, je serre beaucoup trop le Magic Loop, c'est une catastrophe. Hein. Je tricote extrêmement serré, même quand j'ai l'impression d'être détendue. Alors j'aurais pu prendre des aiguilles plus grandes, mais j'y ai pas pensé. Et puis à vrai dire, c'est pas bien grave non plus. On n'est pas obligé d'avoir des immenses encolures sur tous ces pulls non plus. Alors, le pull suivant, c'est le Breathing Space de Vera Valimaki, qui est un patron payant en anglais sur Ravelry. Il se tricote en 3,5 mm, si mes souvenirs sont bons. Et je l'ai réalisé en candy wool, sa base chaussette, coloris chocolat au lait. Et il ressemble très très fort en termes de couleur au duo que j'ai utilisé dans le Archer. Du coup, ça c'est assez amusant. Et là par contre, le coloris contrastant, c'est aussi de la purple laine dans sa base chaussette avec du stellina coloris de Joline. Et là, vu que le coloris contrastant a beaucoup de rose, et ben la Candy Wool, alors qu'elle a quasiment la même couleur que le coloris duo, et ben dans le Breathing Space, elle ressort vraiment rose, alors que dans le Archer, le duo, il ressort beaucoup plus gris. Mais faudra que je pense à faire une photo de mes restes avec les deux petits pelotons qui me côte à côte. C'est impressionnant. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment vraiment le même type de couleur. Alors j'espère que mon appareil photo acceptera de faire une bonne balance des blancs et sera fidèle à ce que, en tout cas, mes yeux à moi voient. Mais si ça se trouve, mes yeux voient différemment. Enfin, on a tous notre réalité, on est bien d'accord. Par rapport aux laines, bah c'est pareil, c'est très doux. Quand je l'ai terminé, j'ai voulu faire les photos. Il faisait 40 degrés dehors. J'étais toute nue en dessous. Et c'était horrible de l'enfiler et d'avoir mis un pantalon ce jour-là. Mais voilà, je suis très contente des photos. On a vu une lumière splendide ce jour-là et c'était juste la bonne heure. Je l'ai fait rentrer dans le cal rose de Émilie et Paul. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah oui, ensuite sur la construction. Donc c'est un pull en top-down avec des raglans. Donc moi, c'est vraiment la construction que j'aime le plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi la taille 32 au lieu de la taille 34. Alors oui, si je mesure mon tour de poitrine, effectivement je suis à 32 pouces, mais c'est parce que j'ai vraiment pas de poitrine. Je veux dire, le reste de mon corps est quand même plus proche d'un 34 au niveau du haut, et plutôt 36, 36 aux fesses. Du coup, je me perds. Oui, donc j'ai fait un 32, mais après, en fait, j'ai fait un espèce de mix entre le 32, le 34, le 36. Je ne sais plus exactement et j'ai pas pris des notes très précises. Mais voilà, je l'ai élargi pour être sûre de passer quand même ma poitrine et que ça fasse pas trop étriqué. Parce que j'avais peur du coup que ça fasse étrange avec la forme. C'est un pull qui a des augmentations tout le long du corps pour avoir une forme en ce qu'on appelle en A. Et je me disais que si c'était trop étriqué, ben, en fait, j'allais avoir un pull à moitié fité, à moitié... Enfin voilà, ça.
Donc j'ai fait plus d'augmentation par rapport à la taille 32 hein, que j'avais choisi pour les épaules. Et en même temps, en haut, il est hyper ajusté et du coup, il est très près du corps. Donc ça, ouais, en fait, ça tombe super bien. C'est vrai que sur l'encolure, c'est très joli. Comme ça épouse mon peu d'épaules, c'est vrai que c'est sympa. Mais oui, en fait, je fais du 32 aux épaules et en pré-poitrine, du 34 un peu après. Ouais. Mais voilà, ça, je commence à connaître mon corps, je commence à connaître ma manière de tricoter. Il aura fallu du temps, hein. Et j'arrive encore à faire des trucs un peu étranges parfois. Mais peut-être, oui, un tout petit poil serré. J'arrive pas trop à me décider. Disons que je sais par exemple pas si j'arriverai à passer un t-shirt à manche longue en dessous. Ça passera, hein, mais je pense que ça sera un peu, peut-être un peu étriqué là pour le coup. Et ça, c'est vrai que j'y ai pas réfléchi en choisissant ma taille. Comme autre modification importante, et là pour le coup très esthétique, j'ai rajouté 8 rayures contrastantes sur le corps. Parce qu'au début j'ai suivi les indications et je trouvais que c'était très déséquilibré, que c'était vraiment pas joli. J'avais demandé l'avis de pas mal d'entre vous sur Instagram. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était un peu étrange. Donc bah, quand j'ai eu fini tout le corps, j'ai tout défait. Enfin, jusqu'au bas de mes rayures. Et du coup, j'en ai rajouté. En continuant mes augmentations aussi, je crois. Puisque les augmentations, je crois, s'arrêtent avec la fin des rayures. Du coup, j'ai fait une ou deux augmentations supplémentaires, je ne sais plus. Mais enfin voilà, au rythme prescrit par le patron dans les rayures. Pour les manches, est-ce que. Bah donc, oui, j'ai monté mon nombre de mailles et puis j'ai fait des essayages réguliers. Et j'ai tricoté les deux manches en même temps. Alors, sur deux aiguilles séparées en Magic Loop, toujours. Parce que gérer à la fois les rayures, les deux petits pelotons, enfin les quatre petits pelotons, en plus en Magic Loop, ça aurait fait. Enfin, le tout sur la même aiguille, je pense que j'aurais fait beaucoup, beaucoup de nœuds. Donc j'ai tout divisé sur deux aiguilles et donc quatre petits pelotons. Et je crois que j'ai fait davantage de rayures. Puisque, ah bah oui, de toute façon, puisque le modèle prévoit des manches 3/4 et moi j'ai fait des manches longues. Très très longues même d'ailleurs, elles sont trop longues pour une fois. Donc je suis obligée de faire un petit revers au bout. C'est pas bien grave, vous me direz. Et puis je crois que c'est tout. Et j'en suis très contente. Alors c'est pareil, en termes de couleurs, c'est pas du tout ma zone de confort. Moi, j'aime pas le rose à la base. Mais voilà, cet assortiment-là était prévu depuis un bon bout de temps. Et la laine contrastante, la Jolene a fait un peu de pooling. Et par moments, il y a plein d'endroits où la laine avait quasiment la même couleur que le corps du pull, et du coup je trouve ça super beau en fait. Il y a des endroits où on voit presque pas les rayures et j'adore ça. Par contre, je l'ai quasiment jamais porté. Enfin, j'ai dû le mettre 3 ou 4 fois pendant 2 heures, juste le temps d'une soirée fraîche. Donc il n'a pas encore passé l'épreuve des journées entières au travail. Ou ailleurs d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Donc si ça vous intéresse, je vous dirai comment la laine a résisté et puis comment mes ajustements pardon, tiennent le coup après tout ça. Alors pour le pull suivant, il s'agit d'un gilet et c'est le Lush Cardigan de Tinkan Knits. Ça c'est pareil, je sais que je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus trop où il en était la dernière fois. Mais c'est vrai que je l'ai commencé en mars, donc c'est un gilet qui m'a tenu pas mal de temps. C'est un patron payant et en anglais sur Ravelry, et il m'a été offert
et je n'arrive pas à retrouver par qui. Lors du cal. Mince, je sais plus lequel. C'était un cal organisé par Mélise. Et j'ai gagné plein de trucs. J'ai gagné un patron, donc celui-ci, un pochon et un écheveau de laine. Et là, impossible de savoir pourquoi. Mais bref, c'est pas très intéressant pour vous. Donc le patron recommande des aiguilles de 4 mm, ce que j'ai fait, je n'ai pas fait d'échantillon comme d'habitude. J'ai choisi la deuxième taille. Pour les gros gilets, je choisis toujours la deuxième taille. Et c'est très bien, c'était une excellente idée, ce qui me va parfaitement. J'ai utilisé la laine de la bien-aimée. Donc j'avais acheté un écheveau de Yellow Brick Road, qui est un jaune ocre magnifique. Et j'avais longuement hésité, mais j'avais pris le coloris Drogon. Trois écheveaux, dont un offert par ma maman, donc merci maman, même si elle n'écoute pas. qui est un marron avec des teintes de gris et des speckles de rouge rosé, qui tire presque parfois sur le violet. Alors sur plein de photos d'ailleurs, les gens croient que ce coloris Drogon est un violet foncé, mais non, c'est vraiment c'est un marron. Un beau marron, marron chocolat. En même temps, il y a tellement de types de chocolat que ça vous avance pas non plus des masses. Bah c'est un patron assez simple à suivre. La dentelle au début est magnifique. Il faut faire un petit montage, un montage, pas montailleux, un montage provisoire au crochet. Et ensuite on relève des mailles au-dessus pour construire toute l'encolure. Et ensuite on relève des mailles en dessous pour faire tout le corps et les manches. Et ensuite à la fin on relève des mailles pour faire l'encolure qu'on refait encore après ou pas. Ah c'est une bonne question, attendez, je vais le chercher. Je suis désolée, j'ai une mouche qui me suit partout. Je rigole parce que je suis allée dans ma chambre chercher mon gilet et la mouche est venue avec moi. J'espérais qu'elle y reste, mais non, elle est revenue dans le salon avec moi. Alors, non, l'encolure se construit, oui, dans la continuité. Vraiment, on l'a fait relativement au début. Et il y a juste les bandes de boutonnage, effectivement, qu'on vient remonter après. Alors, j'ai joué au Yarn Chicken. Et j'ai perdu. alors j'avais fait avec en priorité la bande de boutonnage sur laquelle on fait les boutonnières. Puisque c'est la bande de boutonnage qu'on voit le plus. C'est celle qui vient se mettre par-dessus, celle où on coud les boutons. Et donc je n'avais plus de laine pour faire ma deuxième bande de boutonnage. Alors j'ai fait un appel sur Instagram, mais... En même temps, en regardant sur Ravelry, il n'y a quasiment personne qui n'a tricoté, qui a entré dans son stage, en tout cas, cette laine. Je vais essayer de faire sortir cette mouche, j'en peux plus. Ça va mieux se passer, ça y est. Donc, je disais que personne quasiment au monde, apparemment, n'a cette laine-là. Donc, à part deux personnes aux États-Unis, donc je me voyais mal leur demander de m'expédier à l'autre bout du monde un pauvre petit reste. Du coup, je suis allée fouiller dans mes restes de fingering et j'ai pris de la Malabrigo coloris chocolate amargo et de la Féfil, comment il s'appelle, terre eau, qui est gris. Donc j'ai mélangé un gris et un marron. Et donc en dehors, j'ai pas les speckles rouge, rosé, orange de la Drogon, mais sinon ça fait super bien illusion. On dirait, on voit à peine la différence. Enfin, moi je la vois parce que je sais, mais sinon c'est invisible. Donc je suis super contente de mon petit mélange de fils et j'ai quasiment la même épaisseur que la DK de la bien-aimée.
Pour les boutons, j'ai pris ceux de Lily Comme Tout, des boutons en bois foncé. J'ai évidemment détesté les coudre. Mais maintenant, c'est vrai que je m'embête moins, je prends du fil à coudre noir. Je fais 5 gros nœuds derrière et je coupe à ras. Voilà, donc il y a le risque que je perde les boutons, c'est sûr. J'ai fait ces calculs pour. Il faisait trop chaud le jour où j'ai voulu faire ça. Pour calculer comment placer mes boutonnières. Je ne sais plus si c'était indiqué dans le patron, mais de toute façon, pour mes gilets, j'ai toujours ce gros problème de calcul des boutonnières parce que, comme je tricote serré, souvent j'ai beaucoup plus de rangs pour atteindre un certain nombre de centimètres. Donc de toute façon, les calculs pour les boutonnières ne tombent jamais juste. Par rapport, enfin, s'ils ont été déjà faits par le créateur, le designer du patron, par rapport à ce que moi je tricote, ça va jamais. Donc, pourtant, je devrais avoir l'habitude à force hein, de faire mes calculs, mais non. Et du coup, mes boutonnières, je les ai faits en rabattant des mailles et en remontant d'autres. Et du coup, je les trouve très jolies, assez propres. Enfin même complètement propre. Et est-ce que j'ai autre chose à dire sur ce pull? Bah pareil, pas grand-chose. Je l'ai encore. J'ai dû le porter 2 fois. Il est super doux, il est super chaud, ouais, il est moelleux comme tout. En fait, à la base, j'aime pas le marron. Mais là, je le trouve magnifique. Le seul truc, c'est que du coup, dans ma garde-robe, j'ai pas grand-chose qui va avec. Mais je vais trouver moyen de le porter. Peut-être avec du violet, justement, ça passera bien. Ça, par contre, du violet, j'en ai beaucoup. Alors, je regarde juste à combien de temps j'en suis. Alors, le projet suivant, accrochez-vous bien. C'est le boulet de l'hyperespace. C'est le Little Birds de Isolde Attig. Donc le boulet ultime, j'y avais pas touché depuis 3 ans. Je l'ai tricoté pendant une année entière, je crois. Si ce n'est 1 an et demi. Je l'ai commencé en 2014, ça c'est certain. Oui, donc je dirais que j'ai mis toute l'année scolaire 2014-2015 pour le tricoter. Et déjà, j'en avais bien bavé. Et je l'ai abandonné il y a 3 ans parce qu'il fallait faire un stick. Et que moi, ça me faisait beaucoup trop peur. Alors, c'est un patron. C'est mon tout premier gilet, en fait. À l'époque, j'étais en train de découvrir Ravelry, plein de nouvelles techniques. Et je m'étais dit, ah ouais, j'ai envie de faire du jacquard. Je veux apprendre le jacquard. Et du coup, j'ai cherché un projet en jacquard sur Ravelry. Et il n'y a pas une seule seconde, je me suis dit, si on démarrait par un petit truc, genre un bonnet, ou. En même temps, je porte pas beaucoup de. Enfin, j'aime pas changer beaucoup de bonnet. J'aime bien avoir tout le temps le même. Donc, vu que j'en ai déjà 5 ou 6, j'avais pas forcément grand intérêt à me faire un bonnet. Et donc oui, je me suis dit, tiens, allez, un gilet. Et donc il se tricote en 3 mm 25. Donc c'est quand même. Voilà, c'est. Faut s'accrocher, quoi. Et donc quoi que pour un tout premier gilet, c'était un peu intense. Alors maintenant, avec du recul, je pense qu'il est. Il est pas si compliqué que ça. Mais alors, pour une débutante en vêtements, c'était un peu costaud. Et puis avec cette histoire de stick, c'était pas bien rassurant non plus. Et après l'autre, avant de raconter la suite, oui, en termes de forme, il a une forme très très particulière. Il a un côté très rétro avec ces grandes côtes là qui prennent toute la taille et qui remontent. Qui remonte ouais, jusqu'au diaphragme, jusqu'au plexus solaire quasiment. C'est un gilet qu'on peut porter que fermé parce qu'il a deux grands pans qui se recouvrent. Il a une forme quasiment de cache-cœur.
Et du coup, bah, au-dessus des côtes, il est un petit peu bouffant, ouais, donc il a un côté très rétro. Alors moi, j'adore, mais en fait, je me sens un peu déguisée quand je mets ça, parce que bah, je m'habille pas du tout comme ça d'habitude. Donc voilà, j'avais aussi, c'est une des causes pour lesquelles je l'ai un peu, enfin, je l'ai beaucoup laissé de côté. C'est que voilà, j'avais aussi peur de pas beaucoup le porter. Pareil, le fait qu'il soit tellement décolleté, je me disais, mais à quoi ça sert d'avoir un gilet si c'est pour avoir la poitrine à l'extérieur et qui chauffe juste le ventre. Enfin voilà, j'étais pas plus bien bien sûre de moi. Je trouvais que les manches étaient trop courtes. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que. Et puis bah oui, cet été, pareil, j'ai pris mon courage à deux mains en main et je me suis dit, là, j'en ai marre. Je veux vider un petit peu mon stash, je veux vider les trucs qui dorment. Donc j'ai fait un stick au crochet. Et puis, alors du coup, je savais plus trop où j'en étais, j'ai repris mon patron. Et puis en lisant le patron, maintenant je comprends mieux l'anglais aussi. Le patron dit, bah voilà, si vous avez utilisé la même laine que moi, pas besoin de sécuriser les mailles, vous coupez, point barre. Alors, j'étais presque tentée parce que c'est de la laine. Oui, je l'ai même pas dit. C'est de la laine Rowan, fine tweed. Alors, je la trouve super jolie. J'ai pris les mêmes couleurs que sur le patron. Alors là, par contre, j'ai plus vraiment les numéros de couleurs, mais bon, enfin voilà, c'est du blanc cassé, beige, grisé, enfin de la couleur naturelle, quoi. Pour le fond, un beau vert prairie et un beau bleu foncé pour les oiseaux. Alors c'est du jacquard où il n'y a toujours que deux couleurs, donc c'est pas du jacquard trop méchant. Moi qui m'a pris beaucoup de temps parce que je croise mes fils à chaque maille. Oui. On n'est jamais trop prudent. Et je pense qu'en même temps, c'est pas plus mal parce que comme je tricote serré, ça m'a permis, et à l'époque, enfin, il y a 3 ans, je tricotais encore plus serré que maintenant, ça m'a permis d'avoir un tissu pas trop violemment serré. Et du coup, je rentre dans mon gilet. À force de faire des digressions, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc j'avais, pour me faire mon stick, j'avais 8 mailles. De large. Donc je savais pas trop, j'ai regardé plein de tutos sur internet, donc ils disent que il faut toujours un nombre impair de mailles. Alors moi j'étais toute perdue, je savais pas trop comment faire. Donc du coup, je pense que j'ai fait à peu près à 3 mailles du bord. Mais ma sécurisation de mailles au crochet. Et puis en fait, bah, c'est relativement rapide. Et j'ai respiré 20 grands coups et puis j'ai fini par couper. Et puis comme en plus, bah du coup j'avais plusieurs mailles de large, je pouvais même couper comme une sagouine, c'était pas bien grave. Et donc bah, après avoir ça, fait ça, pardon, il restait plus qu'à tricoter, à rejoindre les épaules, ce qui oui, se tricote de bas en haut. Donc j'ai fait un rabat à 3 aiguilles avec le couture apparente. J'avais envie d'avoir cette ligne sur les épaules que je trouve jolie. Donc et ça par contre j'ai pas, je sais plus ce que disait le patron. Je crois qu'il disait de faire ça mais avec la couture à l'intérieur. Et puis après oui voilà il fallait relever les mailles tout le long des pans du cache-cœur et de l'encolure et faire ben, une petite encolure en point mousse. Là évidemment j'ai suivi les instructions, j'aurais dû prendre une aiguille un peu plus large, du coup c'est un peu trop serré, donc j'ai tiré comme une grosse brute au blocage, mais je sens qu'il va falloir que je tire sur cette encolure vraiment fréquemment. J'ai cousu mes boutons que j'avais achetés il y a 3 ans sur un petit marché. Et au final, comme j'étais pas sûre de l'aimer, et ben c'est le genre de pull que j'ai embarqué quand on fait des marchés nocturnes, quand j'avais des récoltes à faire, enfin voilà, dans des moments où je savais que j'allais l'enlever, le jeter en boule, transpirer dedans, potentiellement le frotter contre des cageots avec
des bouts de ferraille qui sortent. Je savais que j'allais le malmener. Et en fait, il tient super bien le coup. Alors d'une, pour les marchés nocturnes, vu qu'il est en double épaisseur avec le jacquard et que c'est de la laine rustique, il est super chaud. Donc même avec le grand décolleté, au final, je tiens très longtemps sans châle parce que j'ai tellement chaud ailleurs que j'ai même pas froid au cou. Alors que pourtant, je suis très frileuse du cou. Et puis ouais, il a pas bougé du tout. Enfin, il tient super chaud. Passé les 2 premières minutes, il me gratte pas. Donc en fait, j'en suis super contente. Et au niveau de la forme, et ben finalement, le montage, enfin le la, comment dire, le montage des manches fait que ça élargit énormément ma carrure. Et comme les côtes rétrécissent bien la taille, resserrent la taille, en fait, ça donne l'impression que je suis hyper bien charpentée. Et ça c'est le premier vêtement de toute ma vie qui me fait cet effet. Parce que, en vrai, j'ai des épaules de serpent. Et du coup, je le trouve hyper flatteur, en tout cas de dos. De face, moyennement, parce que je trouve qu'il tombe, les pans du cache-cœur tombent pas très très bien. Mais de dos, je le trouve magnifique. Et puis du coup, de face, souvent, j'ai un grand châle qui pend par devant. Donc en fait, finalement, c'est caché. Donc voilà, le truc, le boulet de la préhistoire sur lequel je misais plus un copec, finalement, me plaît beaucoup. Et je l'ai pas mal porté là sur la fin du mois d'août. Donc après, sur un t-shirt à manches longues, je ne sais pas comment il donne. C'est vrai qu'il est joli sur un petit top avec l'encolure dégagée. Il est joli quand on voit la peau. Pas mal. Donc à voir s'il arrive à dépasser l'épreuve de l'intersaison. Et je crois que ça fait des plombes que je parle de ce pull et j'ai encore d'autres choses à raconter. Alors, le gilet suivant, il s'agit du Grace Cardigan de Jane Richmond. C'est encore un patron payant et en anglais sur Ravelry, qui se tricote en 3,5 mm. Et j'ai utilisé de la laine de La Fée Fil, coloris à la cime, Merino Superwash. Voilà, donc la laine de La Fée Fil, la Merino Superwash, ça reste ma laine préférée. Et ce coloris à la cime, j'en étais super fan. Je le trouvais un tout petit poil trop vert par rapport à ma couleur préférée. Mais on n'est pas bien loin. Et puis là, depuis que je l'ai terminé, je vois bien qu'il va avec tout dans ma garde-robe. Mais absolument tout. Donc je l'ai déjà énormément porté. Et là, ça y est, il faut que je le lave. Je l'ai trop porté. Comment dire que c'est le gilet parfait. Voilà. C'est un super basique. Il est facile à faire. Bon, du coup, un peu relou dans toute la partie jersey, hein, mais il tombe super bien. Voilà, les mesures sont parfaites. Je sais plus quelle taille j'ai fait, la taille 34, je crois. Et ouais, il est. Enfin, j'ai pas grand-chose à en dire parce qu'il est absolument génial. Il y a juste la seule modification que j'ai faite, c'est que j'ai monté 72 ou 74 mailles pour les manches, qui correspond à la taille L, enfin à la taille 40 ou 42, je ne sais plus, sur le patron. Encore une fois, parce que j'ai des gros biceps et que je tricote serré en Magic Loop. Donc voilà. Et puis j'ai suivi mon petit pattern de manche. Voilà, j'ai une feuille blanche que je photocopie. Enfin, une feuille blanche, une feuille avec mes petits carrés à cocher pour faire mes manches. Et puis je le refotocopie ou je le gomme à chaque fois et je l'utilise pour pas mal de patrons.
Et puis, bah oui, voilà, j'ai rien à dire. Ce patron est super et ça me donne envie de le faire dans toutes les couleurs. Et en même temps, il y a d'autres jolies basiques, j'ai l'impression, quand même, qui valent le coup d'être essayées. Mais je crois que si un jour je devais refaire un petit gilet qui passe partout, qui va avec tout, ça serait ce modèle-là. Vraiment. Parce qu'en fait, en gilet en fingering, au final, j'ai le Mirage Anne, que j'aime beaucoup, mais qui du coup, comme il a une ouverture sur le côté, on ne peut pas le porter ouvert. Enfin, il tombe vraiment bizarrement. Il y a un côté qui pendouille et puis il y a un côté qui se relève complètement et qui sort carrément de l'épaule. Enfin, de mon épaule, puisque mon épaule n'est pas large. Et donc, au final, je suis obligée de le porter comme un pull. Et sinon, j'ai le Woody Shawl Cardigan, qui est dans des couleurs moins passe-partout par rapport à ma garde-robe, et qui ne se boutonne pas, enfin, qui a aucun système de fermeture de prévu. Donc voilà, c'est. Et puis, bah, du coup, maintenant, j'ai aussi le Little Birds, mais bah, encore une fois, il se porte pas ouvert. Donc voilà. Le Grace, finalement, c'est mon tout premier gilet que je peux porter ouvert. Donc mon premier petit gilet basique en fingering. Et ben, il était temps que j'en ai un comme ça. Et du coup, là, ça me donne envie de me faire plein d'autres petits gilets en fingering. Voilà, donc en gros, je le recommande beaucoup. Et le dernier projet terminé, j'ai l'impression que je n'en finirai jamais. Je crois que je ne vais pas faire le reste du podcast. Je vais m'arrêter après ce dernier projet. Et puis, on le reprend. Enfin, voilà, au prochain épisode, je vous parlerai des nouveaux en cours et des nouveaux terminés. Donc, le dernier, c'est un châle que j'ai inventé, c'est un bien grand mot, hein. Enfin voilà, j'ai pris des différents points et puis je les ai mis les uns à la suite des autres. Oui, avec quelques calculs pour que ça tombe bien et puis bah voilà, une attention à la fois par rapport à la laine et par rapport à l'équilibre des différentes sections, mais sinon. Voilà, il n'y a pas un gros gros effort de design. Donc j'avais acheté. Je me rends compte que j'ai des trucs étranges là sur mes notes. Il y a la laine du. Ah, qui s'est glissée dans le mauvais truc. Pardon, bref, vous en fichez. Alors, par quoi on commence? On commence par les aiguilles. Donc je l'ai tricotée en 4 mm. Et j'ai utilisé la laine Creative Wool Réco Design dégradée. Donc c'est un énorme cake de 200 grammes. J'en avais entendu parler sur le podcast de la Renarde Bleue qui avait fait un grand châle avec ce même dégradé bleu, bleu pétrole. Et quand je l'avais vu, je m'étais dit, oh là là, ça serait vraiment parfait pour une copine dans ces couleurs. Et donc du coup j'ai commandé la pelote, mais je voulais faire un châle avec un dégradé qui irait du haut vers le bas, ou du bas vers le haut, peu importe. Et je trouvais pas de châle triangulaire. J'en trouvais tout plein, si des triangulaires, mais asymétriques, où du coup on commence par un coin, on fait des augmentations et des diminutions pour arriver jusqu'au centre, et puis après, ben, une fois qu'on est au centre, en fait, on rabat et on a fini. Et la ligne de rabat crée le deuxième côté du châle. Je sais pas si je suis bien claire. Donc oui, je voulais un châle triangle équilatéral qui se commence en haut avec une arête centrale avec des jetés au centre. J'avais une idée en fait assez précise de ce que je voulais et je trouvais pas de modèle qui s'en rapproche sur Ravelry. Alors après, je l'ai pas épluché non plus. J'ai vu que Malorae, je sais pas si ça se dit comme ça sur Instagram. Attendez, je vais aller vérifier. Oui, c'est ça, Malorae. Et donc sur Ravelry, c'est Coraline
Kérisy, Kérisyte, a fait, bah justement, elle a designé un châle qui ressemble pas mal à ce que j'avais en tête. Et elle l'a appelé le Astérales. Voilà, que je trouve super joli en plus dans les couleurs qu'elle a choisies. Je pense que je le ferai un jour. Et donc, ouais, il y a un moment, j'ai presque hésité à défaire ce que j'avais fait pour faire son patron à elle. Et puis, il y a eu l'histoire du bac option tricot qui m'a motivée à inventer mon propre truc aussi, même si du coup, je ne l'ai pas du tout fini à temps. C'est les procrastiniteuses qui m'ont donné le dernier coup de pied aux fesses pour le terminer là, tout à la fin du mois d'août. Donc, je ne sais plus où j'en suis, à force de m'interrompre moi-même. Oui, alors. Donc, j'ai fait une première section avec un point ajouré. Je crois que j'ai fait un trou toutes les 8 mailles. Et puis j'avais cette idée de faire des rayures en prenant l'autre bout de l'écheveau, enfin du cake. Donc avec des rayures très marquées au début, et puis je pensais faire une deuxième section de rayures beaucoup plus bas dans le châle, et qui du coup serait beaucoup moins contrastée. Donc oui, deuxième section des rayures, en alternant donc le début et la fin de mon cake. La troisième section, c'est un point de semis, donc avec une maille envers toutes les 4 mailles, et deux rangs plus tard en quinconce, ou 4 rangs plus tard, je ne sais plus. Puisque je l'ai offert, donc je l'ai plus sous les yeux. Ensuite, la quatrième section, j'ai fait. Alors, c'est la section sur laquelle j'ai bloqué. J'avais fait un premier dessin sur. Et en fait, ça rendait pas bien. Et donc, j'ai tout défait maille par maille parce qu'évidemment, j'avais pas mis de fil de survie, c'eût été trop malin. Ah, j'ai fait une petite ligne de jersey en vert pour séparer les deux sections. Et donc, j'ai refait un deuxième dessin. Donc, c'est juste des losanges, deux losanges l'un dans l'autre, un petit dans un grand. Qui se suivent et qui se forment avec juste deux mailles, des mailles croisées. En fait, j'étais en train de tricoter les Speckle Space Sock à ce moment-là, donc c'est ce qui m'a donné l'idée. Et pour qu'elles ressortent davantage, j'ai fait des mailles glissées, mais sur les rangs envers, en fait. Parce que faire une maille glissée en même temps que je fais une torsade, je trouve ça pas confortable. Mais donc souvent, c'est vrai que quand on fait des motifs comme ça, en croisant juste deux mailles sur un fond de jersey en vert, pour que ça ressorte, on conseille souvent de faire, la maille du dessus, qu'elle soit glissée. Et la maille du dessous, on la tricote normalement, pour la faire ressortir. Et ça, ouais, je trouvais pas ça très agréable à faire, enfin... Dans mon geste, où il m'aurait fallu une petite aiguille auxiliaire et pour croiser juste deux mailles, enfin c'était n'importe quoi. Donc j'ai croisé mes mailles sur les rangs en vert. Donc il fallait que là, pour le coup, ça m'a demandé de calculer, de vraiment compter bien mes mailles, parce que sur les rangs en vert, on ne voit pas ce qu'on fait, on ne voit pas où est la torsade. On la devine, mais on ne la voit pas vraiment. Donc il fallait vraiment compter à chaque rang retour, chaque rang de jersey en vert. Quelles étaient les mailles à glisser. Donc c'est la partie, oui, clairement, qui m'a demandé le plus de travail, à la fois de calcul, de design et de... Enfin, design, non, c'est pédant comme mot, je trouve, à ce niveau-là. Enfin voilà, c'est la partie qui demande de réfléchir un petit peu et qui demandait le plus de concentration. Ensuite, la cinquième section, j'ai fait des rayures, donc de nouveau avec la fin de mon cake. Mais bon, bah, là, par rapport au dégradé, bah, j'étais déjà dans des couleurs beaucoup plus proches. Sachant que... Ah non, je vais terminer l'explication. Et la dernière section, j'avais décidé d'aller jusqu'au bout de mon fil et de faire la dentelle du Lili Pili.
de Amba O'Brien. Donc ça, c'est pareil, c'était décidé depuis le début. Je savais que je finirais par cette dentelle-là. Oui, je savais que je voulais faire des trous-trous, je savais que je voulais faire des rayures, je savais que je voulais faire des mailles croisées et la dentelle du Lilipili. Finalement, il n'y a que le point de semis que j'ai rajouté un peu au dernier moment parce que je trouvais que ça tombait bien. Mais en fait, oui, finalement, j'avais une idée, mon idée était assez précise. Et par contre, la dentelle du Lilipili, j'ai pris le début de la grille, puisque ça correspondait parfaitement à mes augmentations du bord. Et par contre, quand j'arrivais au centre, je m'arrêtais là où j'en étais et je faisais la même chose en miroir pour redémarrer de l'autre côté de l'arête centrale. Voilà. Et donc du coup, je crois que ouais, ça tombe un peu étrangement. Enfin, ça fait joli, donc je m'en fiche. Mais oui, j'aurais pu faire un truc plus propre, mais j'avais plus la foi à ce moment-là. J'avais envie de le terminer, donc je me suis pas pris la tête. J'ai fait aucun calcul, j'ai rien dessiné. Oui, donc par rapport au fil, en fait, ce qui fait le dégradé, c'est que en fait, il y a quatre petits fils qui sont très peu retordus. Donc par contre, ça c'est assez désagréable à tricoter, c'est de la laine qui se dédouble énormément, puisque c'est pas retordu, les fils sont juste côte à côte et posés ensemble. Et donc au tout début de l'écheveau, on a des fils bleu pétrole, bleu canard. Et puis au bout d'un moment, on a plus que trois fils de bleu canard et un fil de bleu plus turquoise. Et puis après, deux fils canard, deux fils turquoise, puis trois fils turquoise et un fil canard, puis tous les quatre fils juste bleu turquoise, et ensuite un des fils bleu pâle, puis deux fils bleu pâle et deux fils turquoise, etc. jusqu'à ne plus avoir que du bleu pâle, les quatre fils bleu pâle. Donc finalement, le bleu pâle complet m'a servi uniquement à faire les deux sections de rayures. Et le reste du dégradé est intégré dans le châle. Voilà. Et du coup, sans que je fasse spécialement attention, mes sections correspondent à peu près au changement de fil. Voilà. Donc ça passait. Enfin voilà, ça s'est fait à peu près tout seul. Et donc j'en suis super contente de ce châle, je le trouve super beau. Je l'aurais bien gardé pour moi, mais il va encore mieux à mon amie qui a accepté de poser sur les photos en plus. Donc on a passé un super moment à faire ces photos-là et à se préparer un super jus de pastèque et de pêche, accessoirement. Et donc voilà pour les projets terminés. Et donc, je ne vais pas vous parler de mes projets en cours. Je voulais juste parler un petit peu de mon orphelinat, puisque je suis à la diète depuis le mois de mai, quasiment. Ah si, je me suis acheté deux échevaux au mois d'août. Mais non, sinon, j'ai complètement craqué mon slip à Clamartfield. Et voilà, je voulais en parler rapidement. Je vais pas vous reparler de Clamart, juste vous dire que c'était super, j'ai fait de magnifiques rencontres, entre autres, mais surtout Nathalie By Night, Margeva et Ricardo. Rencontre auxquelles je m'attendais pas du tout, mais alors, et puis Alice, du lapin d'Alice. Voilà. Des gens que je m'attendais pas du tout à voir, ni avec qui spécial, enfin, que je trouve chouette, hein, mais je m'étais pas dit spontanément que j'allais passer des moments vraiment privilégiés avec eux, et puis en fait si. Donc c'est chouette ce genre de vie-là. Des bonnes des bons alignements de planètes. Et puis je me suis fait plein de beaux cadeaux. Je me suis acheté de la laine chez Imogen. De la fingering. Ah, j'ai de nouveau une mouche. Ah, ça m'énerve. J'ai pas réussi à la faire sortir. Et en plus, elle s'est cachée. Donc, je disais que j'ai acheté de la laine à Imogen.
de la fingering retordue 100% mérino, coloris. Ah, je sais plus. Et puis je l'ai rangé tout au fond de mon armoire. La traduction, enfin le nom original du docteur Follamour. Voilà, qui est le kaki parfait. Depuis le temps que je le cherchais, je l'ai trouvé, ça y est. Et donc du coup, je voudrais un petit gilet basique. Je pensais au treillis de Lily comme tout. Ou au coquelicot de Elle et Zelle. Voilà. Mais ça sera pas pour tout de suite. Voilà. Faut que je réfléchisse parce que bah voilà, c'est le coloris que j'ai cherché pendant des années. Donc il faut bien réfléchir avant de lui attribuer un projet. Je me suis offert aussi de la laine chez By Night, 3 échevaux sur sa base Milky Way, je crois, sa base tweedée, teint au bois de Campeche, donc c'est un beau mauve. Pareil, je pense me faire un gilet avec. Je pensais soit aux vitamines D ou alors un petit basique aussi. Et je lui ai pris aussi un écheveau teint au chêne. Qui est sur une base chaussette, donc mais je pense qu'il finira plutôt dans un châle. Je suis allée aussi chez la Féfile, puisque bon, bah voilà, la Féfile quoi. Et je lui ai pris 3 écheveaux de Coteau du Léon pour me faire soit un pull, soit un gilet. Je ne sais pas encore vraiment lequel. Je pensais peut-être au Pavement de Vera Valimaki ou alors. Qu'est-ce que j'avais dit déjà? Peut-être le haut gazeuse de Marie-Amélie. Je lui ai pris aussi à Cécile un écheveau de Astrid. C'est un beau gris avec des speckles bleus que je vais assortir avec son coloris. Comment ça s'appelle? Calanque de Piana, que j'ai depuis très longtemps. Et je lui cherchais un gris depuis un bon bout de temps et aucun de ce que j'avais en stock ne correspondait. Et là par contre ça va le faire. Et je pensais me faire une marinière, probablement sur la base de construction des pulls de Vera Valimaki que j'ai déjà. Et j'ai envie de démarrer ça très bientôt. Et je lui ai pris aussi un écheveau de Tiny Tash Pistache pour aller avec l'écheveau de laine de Bibounette, le gris de Marie, la souris de Marie, je ne sais plus, un beau gris avec des reflets légèrement rosés pour me faire un châle, mais je ne sais pas encore lequel. Châle que je voudrais tricoter en duo avec ma maman qui a exactement les deux mêmes couleurs, puisque on avait acheté le gris de Bibounette ensemble à Clamart l'année dernière, donc enfin il y a un an et demi maintenant, et je lui ai pris pareil, je lui ai offert un écheveau de la Féfile de pistache pour aller avec le mien, et puis j'aimerais bien qu'on essaye de se faire un châle en duo toutes les deux. J'ai pris aussi de la laine chez Trélise. Deux écheveaux d'un beau prune tweedé qui sera un châle, probablement le dernier de Isabelle Kramer. Comment s'appelle-t-il déjà? Je suis sur internet en même temps, mais le temps de navigation. Est-ce que je l'ai mis dans ce qui allait sauter sur mes aiguilles bientôt? Absolument pas. Est-ce que je l'ai mis dans les choses que je voulais acheter bientôt? Oui! Le Akemi de Isabelle Kramer, voilà, qui est un beau châle triangulaire avec de la dentelle, un petit point texturé en haut, une arête centrale, bref, tout ce que j'aime. J'ai même pas regardé si le métrage allait me suffire. Ou ça va être juste. Bon, au pire, je le raccourcirai, c'est pas bien grave. Puis comme je tricote serré, on devrait s'en sortir. Et Trélise, je lui ai pris aussi 2 écheveaux de laine à chaussettes, donc un que j'ai tricoté déjà avec les Speckle Space Socks, et un deuxième qui est dans la même gamme, de la RS aussi, et qui, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, probablement des chaussettes.
J'ai aussi acheté deux échevaux de laine à chaussettes chez By Simone qui sont splendides. J'ai hésité entre les deux, du coup j'ai pris les deux. Et puis je me suis offert aussi une grosse commande chez Drops de la celle qui feutre pas. C'est pas la Lima, c'est l'autre, la Charisma, en bleu pétrole pour me faire un gilet portage que j'ai très envie de commencer, mais il faut que je termine un peu mes encours d'abord parce que là j'en ai encore trop, j'en ai encore 4. Et puis au mois d'août, j'ai craqué pour deux petits échevaux chez Piraten Vol. Et en fait, j'en ai pris un qui ressemble énormément au Joline et un autre blanc avec plein de nuances de vert qui est magnifique. Voilà. Et c'est. J'ai pris de la base Merino pour pouvoir le mettre dans des châles ou dans des pulls et pas forcément des chaussettes. Voilà. Et puis, bah, c'est tout. Et voilà, donc du coup, je vous ai parlé aussi de mes envies. Et puis, bah, en termes de gros événements, bah, il y a le tournoi de Nitich qui démarre ce soir, enfin ce soir à minuit. Donc, le temps que je fasse tout le montage, probablement qu'il sera déjà à démarrer. Je pense que je vais y aller un peu plus mollo que l'année dernière, mais j'ai quand même bien envie de mettre à profit cette émulation générale pour au moins boucler tous mes encours et puis essayer de finaliser aussi les projets là pour le cal culture de pelote parce que j'en ai un qui a été refusé et puis d'autres que j'ai toujours pas encore eu le temps de soumettre et puis encore quelques blancs voilà des choses qui sont pas encore bien déterminées. Et puis bah voilà, il reste plus que 4 mois pour finaliser tout ça. Donc oui, je vais profiter de l'énergie du tournoi pour m'y mettre. Voilà, et ben, je crois que je suis venue à bout de tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, ben, je vous souhaite un très bel automne, un beau mois de septembre, une joyeuse entrée dans la saison des tricots, puisque bon, voilà, on est tous d'accord qu'entre tricopathes, on a quand même tricoté tout l'été. Mais que, oh, grande frustration, on n'a rien pu essayer. Moi, j'ai 4 ou 5 nouveaux pulls que j'ai mis deux fois chacun, voire pas du tout. Et c'est vrai que même si j'adore l'été, cet été, il a fait quand même trop chaud et trop longtemps. Et du coup, là, je suis bien contente qu'il fasse un peu plus frais et pouvoir porter mes pulls et ressortir mes châles. Donc, je vous souhaite le même plaisir. Et puis, bah, prenez bien soin de vous, surtout de tout ce qui vous entoure. Portez-vous bien. Et puis, on se dit à bientôt. Salut!